chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. La 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 la. Oui? Bonjour Perline. Bonjour Loriot. Est-ce que Pruneau est là? Non, Pruneau est chez son grand-père. Ah oui. Bon, ça y est, la cage est propre. Ce serait commode, hein, Loriot, si notre chef avait un petit balai. Et puis là, il nous dirait, dérangez-vous pas ce matin, je fais le ménage de ma cage. Ça prendrait un tout petit balai, hein? Ou bien peut-être un petit aspirateur. Es-tu content, notre chef? Ah, il a faim, là, je pense. C'est vrai, notre chef, t'as faim? Oh oui, même que je voudrais de l'eau, tu vois bien que je n'ai plus d'eau. Je vois bien ça, notre chef. Je vais aller chercher ta nourriture aussi, ça sera pas long. Nourrir un hamster, là, ça c'est facile, hein? C'est vrai, ça, Loriot. Voyons où j'ai mis sa nourriture, moi. On met des graines dans la petite affaire ici, là. Dans la mangeoire. Ouais. Puis on met de l'eau ici. Tu connais ça, toi, les hamsters, Loriot? Oh! Moi, là, je sais tout, presque. Ben, surtout comment prendre soin des hamsters, hein? Si un jour, là, t'avais personne pour garder notre chef, ben, moi, je pourrais en prendre soin. Surtout le nourrir, hein? Moi, je suis un champion pour ça. Maintenant, je vais donner des graines à notre chef. Oh! Perline, pourquoi tu veux pas que je le nourrisse? Mais voyons, Loriot, tu me l'as pas demandé. Je pensais que tu le savais. Ben, j'aimerais ça le nourrir, moi. Je le savais pas, tu me l'as pas dit. Tu fais bien de me le demander. Bien sûr que je veux. Oui! Ah, merci, Perline. Ben, vite, là, passe-moi les graines. Tiens, et nourris notre chef. Oui. Allez. Ah, tiens! C'est un cadeau de mon ami qui vit dans les montagnes. Il a mis son ruisseau dans la boîte à son et me l'a envoyé. Bonne idée, hein? Alors moi, je l'ouvre et je découvre ce qu'il y a dans la boîte à son. Ah! Je découvre que, tourne univers, il y a plein de trésors sur la Terre. Et quand je voyage, moi, je découvre toutes sortes de nouvelles musiques, des amis nouveaux, des maisons différentes. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin pour découvrir. Oh! C'est un huard à collier. Oh! Les nuages. Hey, on dirait que le vent les a bousculés pour bâtir un château dans le ciel. Ah! Tiens! Ah, tiens! Je vais aller découvrir de nouveaux oiseaux. Ah! Ah! Il y a une odeur de lilas dans l'air. Et je découvre que mon lilas blanc est en fleur. J'adore l'odeur du lilas. Je suis le chant d'une tourterelle triste et je découvre qu'elle s'est posée là, sur le fil. Tu entends son chant? C'est vrai que c'est triste, hein? Hier, j'étais au parc et j'étais en train d'imaginer une histoire quand tout à coup, quelqu'un me dit, excusez-moi, auriez-vous un crayon? Parce que moi aussi, j'aimerais prendre des notes. Alors moi, je lui prête un crayon parce que j'en avais deux et on parle un peu. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ce monsieur s'appelle Carillon et je découvre qu'il connaît très, très bien mon ami Accalmie. Oh, mais c'est incroyable! C'est fantastique! C'est mirobolant! Oh! Les mots. Ah! Découvrir les mots. J'adore ça, moi. Et l'autre jour, je dis à Passe-Montagne, je dois avoir faim, moi, j'entends des gargouilles dans mon ventre.
Alors Basse-Montagne me dit, je dois avoir faim moi aussi, j'entends des borborygmes dans ma bedaine. Des borborygmes. Je connaissais pas ce mot-là, moi. Borborygmes. Ah oui, vraiment. J'adore ça découvrir. Je dessine mes yeux, les yeux, dessine mon nez, je dessine ma taille, je dessine mes oreilles, ma bouche, je dessine mon corps, je dessine mes bras. Je suis tout dessiné. À modeler. Après ça, j'ai pris des petits cailloux. Oh, des noirs. Ah, oh, puis des gris aussi. Ah, oh, puis les yeux, c'est des cailloux bleus. Ben non, c'est des cailloux noirs, mais j'ai mis de la peinture bleue dessus. Ah! Oh. Monsieur, il dit qu'on peut en faire aussi le tout, tout en cailloux, juste en collant des cailloux un par-dessus l'autre. Ah, oh, oui, c'est ça que je vais faire avec Mucho, moi. Une sculpture. Ben, quel animal tu vas faire? Oh, une souris tout en cailloux. Elle va être tellement belle. Oh, viens voir, Loriot. Hein? Ça, là, c'est la collection de cailloux de Bruno. Ah, il y en a beaucoup. J'en ai assez pour faire une grosse souris. Ah, oh, oui. Ben, viens au centre, là, Mucho, il va t'aider. Mes cailloux, you. Loriot, tout d'un coup, Bruno, il est fâché. Pourquoi? Ben, parce que je lui demande pas la permission. Oh, c'est à lui, ces cailloux-là. Ben oui, il va être content de voir la souris faite avec ses cailloux, voyons donc. Ben, je pourrais lui donner. Oh, il va être tellement content, là. Bon, voyons-moi ce que je suis rendue. On s'en va voir Mucho. Oui, on s'en va faire une surprise à Bruno. C'est bien ça. Maman? Quoi donc, ma coccinelle? Une sculpture en souris, là. Il va aimer ça, Bruno, hein, Perline? Mm-hmm. Regarde, là, c'est mon chat en cailloux. Oh, il a mis son manteau de cailloux. Moi, ma souris, elle va être faite rien qu'en cailloux. Les cailloux de Bruno. Ah bon? C'est pour ça que t'as pris son sac de cailloux? Oui, il va être content, hein? Oh, c'est sûr et certain. Te souviens-tu quand Bruno avait pris ta collection de gommes à effacer? Oh oui, sans me demander, hein? Oh, il avait fait des maisons avec... C'était pour te faire une surprise, hein, Cannelle? Oui, mais je t'ai dit que... Je pense que je serais mieux de demander la permission à Bruno, hein, maman? Moi aussi, je pense que ce serait mieux. Ben, tu peux pas lui demander, il est même pas là. Oh non! Je pourrais même pas faire de souris cailloux! Mais voyons, tu peux, ma coccinelle! Hein? Bruno, il les a pris où, ces cailloux? Partout! Il les prend partout! Moi, mes cailloux, je les ai trouvés au parc. Ben, Loriot, je vais aller reporter les cailloux de Bruno, puis après, on s'en va au parc. Moi, en tout cas, là, si Mel et Dor veut jouer avec mon chat, ben, là, il va falloir qu'il me demande la permission. Ben, je comprends ça, mon Loriot. Thank you.
Non, on ne briserait rien, voyons, on est des champions.
Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça. Au revoir. Attends, comment on va faire pour jouer? J'étais une jeune fille, là. J'avais une grande amie. On était toujours ensemble quand on était toute petite. Oui. Comment elle s'appelait donc? Canelle! Oh, c'est un beau prénom, hein? Canelle, elle avait les cheveux... Oh, ah, moi, ils sont blancs! Oui, et puis elle avait des yeux... Bleus! Moi, ils sont bruns! Canelle et toi, vous vous ressemblez pas du tout. Puis vous êtes belles toutes les deux. Mm-hmm. Elle avait un grand cœur, Canelle. Oh, moi aussi, hein? Oh, oui... Mon amie Canelle et moi, là, on riait tout le temps. Nous autres aussi, on rit souvent, hein, maman? Ben oui. Un jour, Canelle, ma grande amie, est partie pour aller travailler dans un pays loin d'ici. Ah, l'Australie! On s'est plus revus, mais on s'écrit des lettres. Et puis un jour, toi, t'as rencontré Perle. Et puis là, vous êtes devenus des amoureux, hein, maman? Ah oui. Et puis une fois, on se promenait dans le jardin. Moi, j'avais une lettre de mon amie Canelle. Ah, toi, t'as dit à papa? Perlin, si un jour on a une petite fille, j'aimerais ça qu'elle s'appelle Canelle. Là, papa, il a dit... Canelle? Comme ton amie? Ah oui, 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 j'aime ça, moi, ce prénom-là. Et puis un jour, quand je suis sortie de ton ventre, vous avez dit... Ah! Oh, c'est elle! C'est Canelle! Oui. Oh, là, maman, c'est le temps de la chanson. La chanson de Canelle commence. À la voix douce, comme une flanelle, c'est Canelle. Mais qui danse aussi bien qu'une hirondelle, c'est Canelle. Mais qui me donne des becs, qui goûte le miel, c'est Canelle. Non, y en a pas, non, y en a pas, non, y en a pas de comme elle. Non, y en a pas, non, y en a pas, non, y en a pas de comme toi, Canelle. Encore! Mais qui a la voix douce comme une flanelle, c'est Canelle. Je les vois pas. Oh! Et ça fait trois fois qu'on vient ici depuis ce matin. Le tout-à-traque est toujours fermé. Et écoute, Passe-Montagne, d'habitude, le tout-à-traque est toujours ouvert, hein? C'est vrai, ça. Bon, puis Tourbillon, quand il veut pas être dérangé, il met toujours sa pancarte. S'il vous plaît, ne pas me déranger. C'est vrai, ça.
Bon, ben, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Mais s'il y a quelque chose qui cloche, alors... Sonnons! L'univers de ton univers, de ton univers, j'aurais dû changer cette sonnerie, là. Oh, entrez, entrez. Bon, il y avait la grande ours, la petite ours, et il y avait un pinson dans le gazon. Mais il dort debout? Tourmaline, mais qu'est-ce que vous avez être si fatiguée tous les deux? Je me suis couchée très, très tard, hein, à cause des étoiles. Bon, je vais me coucher un peu, moi. Bonsoir. Regardez, mon morceau d'étoile. Oui, 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 c'est une météorite. Raconte, Tourmaline. Et tu parles comme si Tourbillon et toi, vous étiez allés prendre une marche dans le ciel parmi les étoiles. Eh oui, non, on comprend pas. Hier, dans la nuit, Tourbillon et moi, on est allés au parc pour regarder les étoiles filantes. Hein? En attendant, on observait le ciel à l'aide du cherche-étoile. On se faisait longtemps que Tourbillon me l'avait promis. Chanceuse! Et tout l'univers. Il y a tellement d'étoiles dans l'univers. Regarde-moi ça, Tourmaline. Il y a des étoiles qui font des clins d'œil. Et... Tourbillon, il n'y a pas de lune. Mais justement, Tourmaline, quand il n'y a pas de lune, on voit mieux les étoiles. Oh, je vois l'ours! Je vois la grande ours! Ah, tu la vois, toi? Oui. 2, 3, 4, 5... Mais je vois pas d'ours. Mais regarde encore, Tourmaline. Regarde bien. Il faut un peu d'imagination pour voir la grande ours. Hmm? Oh oui, je la vois. C'est comme une maman ours, la grande ours. Eh oui. Tu sais, avant, il y a longtemps, longtemps, les gens qui observaient le ciel ont décidé de donner des noms aux groupes d'étoiles. Et ces étoiles-là, ils trouvaient qu'elles ressemblaient à une grande ours. Ah oui. Est-ce qu'il y a une petite ours? Ah oui. Tiens, regarde. Suis bien mon doigt. Oui? Là. Ah oh, oui, je la vois, je la vois. Salut la petite ours. Et au bout de la queue de la petite ours, oui? Il y a l'étoile polaire. Ah oh, oui. Ah, venez, 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 les étoiles. Vous avez l'air si près et pourtant vous êtes si loin, loin, loin. Oui, venez, venez. Plus loin que le soleil. Non, je veux mon étoile à moi. Hé, hey, Tourmaline. Ah, mais c'est ton univers, mais c'est... Mais... Quoi, Tourbillon? Mais ton univers, c'est une météorite, un morceau d'étoile, Tourmaline. Ah, oui. Un morceau d'étoile? Oui, oui. Le ciel va nous tomber sur la tête? Tourmaline, mais tu sais que c'est très, 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 mais très, 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 très rare. Que ça arrive, ça. Une météorite. C'est mon morceau d'étoile à moi pour toujours. Oui. C'est lourd, hein? Ah oui. Et puis ça vient de loin. Oh, j'aimerais ça, moi, une fois, aller observer les étoiles tard dans la nuit. Mm-hmm. On va lui demander à Tourbillon de bonne foi. Il va dire oui, c'est certain. Mm. Moi, là, je me suis couchée très tard, hein, mais lui, en plus, Tourbillon, il est resté pour observer les pinsons. Oh, hey, oh, Tourbillon! Oh, l'univers, ça tourne l'univers. Oh, mais tu parles d'un voyage, toi. Oh. Ça va? Oh, oui, mais... Je vois des étoiles. Oh. Eh bien, bon. Pas
À téléservice dans un moment, le témoignage d'une superwoman, mère de 15 enfants. Pourrions-nous vivre sous une cloche de verre? Daniel Bombardier nous explique le fameux projet Biosphère 2 et nous parlons lecture avec Denis Vaugeois. Restez avec nous. Cette émission est une présentation de Siltest. Passepartout, une émission à laquelle les produits laitiers Siltest sont très fiers d'être associés.